mes trois principaux conseils en négociation immobilière. C'est parti Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zonta. Vous m'avez demandé, souvent sollicité, sur mes conseils en négociation, comment arriver à bien négocier avec un vendeur en immobilier afin de gagner beaucoup d'argent dès l'acte d'achat. Et je vais vous donner aujourd'hui mes trois principaux conseils de manière à vous aider et vous accompagner pour réussir vos négociations immobilières. Alors en 1, souvent vous ne savez pas par où commencer. C'est là que je voudrais vous guider. De but en blanc, vous allez soit annoncer un prix, soit dire est-ce que c'est possible de le négocier, etc. Je voudrais d'abord, avant toute chose, que vous ayez bien en tête... Qu'on va rechercher quelque chose d'important qui est quelle est la motivation de mon vendeur ou si vous passez par une agence, potentiellement vous avez en face de vous un agent immobilier, cherchez à savoir les motivations de son client de manière à pouvoir bah, vous placer dans cet échiquier et en savoir un petit peu plus. Alors c'est vraiment en un et c'est ce qui est très important, c'est de connaître quelle est la ou les motivations. Qu'est-ce que j'entends par motivation. Ça veut dire qu'il faut lui poser des questions qui vont vous permettre de vous guider dans votre décision. Les motivations, ça va être quoi? Ça va être vous poser plusieurs questions. Par exemple, le temps. Depuis combien de temps vous avez en vente cet appartement? Ce sera pas la même chose si vous dites bah, vous êtes le premier à le visiter et que vous voyez que c'est une bonne affaire. Ou si vous dites bah, ça fait un mois. Bon, le prix vient de baisser, etc. Parce que vous allez vous dire, bah, le vendeur, il a déjà commencé à baisser, ça fait un mois, il est peut-être impatient, il a peut-être besoin d'argent, donc ce ne sera déjà pas la même chose. En deux, par exemple, on va demander, avez-vous un mandat d'exclusivité Pourquoi on pose ça C'est pas pour le, le bypasser. L'idée, c'est de dire est-ce que la personne qui est en face de moi a le pouvoir de décision Est-ce que c'est lui qui a un lien privilégié avec son vendeur et son client ou alors est-ce qu'il y a 10 interlocuteurs puisqu'il a donné un mandat non exclusif et que toute la place là et dans ce cas-là, il n'a pas vraiment plus de force. Donc, ça va permettre de savoir si vraiment cette personne-là est en pouvoir de décision, est en pouvoir de persuasion par rapport à son client vendeur. Voilà, après demandez le lien. Est-ce que vous connaissez les vendeurs Donc, essayez de savoir le lien qu'il y a. Entre cette personne-là et le vendeur. Si vous dites, bah oui, c'est euh, quelqu'un qui a beaucoup d'appartements, je m'en occupe depuis 10 ans, bah vous savez que vraiment cette personne-là, elle va avoir un, quand même un pouvoir de décision, d'influence fort. Si vous dites, non, non, pas du tout, euh, je, je le connais pas, euh, voilà, il a donné un mandat à l'agence, bah, ça va permettre de jauger euh, aussi. Euh, après, n'hésitez pas à demander, est-ce qu'il y a déjà eu des offres Donc ici, pareil, s'il y a déjà eu des offres à 40 000 euros en dessous qu'elles ont été refusées, a priori, ça veut dire que dans votre tête, bah, y a, vous savez de plus en plus quel est le prix vers lequel on peut se diriger. Ça vous évite de perdre votre temps, de lui faire perdre le sien. Donc c'est vraiment un souci d'efficacité. Enfin, vous pouvez rajouter, ce n'est pas une liste exhaustive, mais est-ce que les vendeurs sont pressés de vendre Voilà, poser une multitude de questions qui va vous aider, qui va vous permettre d'en savoir plus sur le vendeur, d'en savoir plus sur quelle est votre marge de négociation en fonction de ces différents éléments parce qu'il va y avoir des marges vraiment de négociation qui vont être très différentes de l'une à l'autre en fonction de ce qui vous aura répondu. Ensuite, le deuxième point qui me tient à cœur dans une bonne négociation, et c'est la crédibilité. Soyez vraiment crédible. Ce mot, il est très important. Si l'agent immobilier ou le vendeur voit que vous êtes fébrile, euh, voit, voit que les questions ne sont pas spécialement euh, cadrées, euh, bah vous allez baisser euh, en termes de crédibilité. Et forcément, ça va impacter le fait que soit vous soyez premier à avoir le bien si c'est une bonne affaire, Soit tout simplement, bah, s'il a le choix entre un panel, bah, potentiellement, il ne vous fera pas passer. Donc la crédibilité, je dis, c'est quoi bah, En un, c'est vouloir acheter. Il y a trop de gens qui font des visites pour faire des visites. Parce qu'ils font des visites, ils disent, bah, est-ce que je pourrais Pas, il est bien, mais pas trop. Il y a un temps pour la visite et il y a un temps pour la négociation. Ne négociez pas quelque chose que vous ne voulez pas acheter. Donc c'est ça la crédibilité. La crédibilité, c'est à partir du moment où le bien m'intéresse, bien entendu, à un certain niveau de prix, bah je vais ensuite démontrer ma crédibilité. Je suis acheteur. Et à ce moment-là précisément, vous parlez pas du bien, puisque le bien vous, vous voulez l'acheter pas à n'importe quel prix. Mais ensuite c'est la phase de négociation. Donc là derrière c'est stoppez-vous et vous, vous, vous donnez de la crédibilité, vous donnez de la crédibilité auprès de l'agence ou du venteur, vous voulez acheter. N'hésitez pas dans ces phases-là à vous fixer une limite. C'est trop souvent ce qu'on voit et vous pouvez le voir avec les adjudications, c'est-à-dire toute la partie vente aux enchères. Bah, les gens ils veulent acheter, ils en sont là parce qu'ils l'ont visité comme c'est en deux temps, il y a le temps pour la visite, donc là c'est OK. et ensuite il y a le temps pour l'achat, ils fixent pas de limite et regardez par curiosité les prix d'adjudication de votre ville par exemple en sachant qu'il faut rajouter un pourcentage entre 10 et 15 en fonction si ça passe par les notaires ou si ça passe par le, le tribunal de grande instance au prix d'adjudication pour devenir propriétaire la plupart du temps c'est au-dessus d'un prix marché parce que les gens ici ils ne se fixent pas de limites et c'est là le problème et c'est là où ça dérape Et le dernier point que je voudrais vous fixer ici on voit trop souvent de la négociation négociation argent quand on parle de négo on parle que de l'argent moi, j'appelle ça du, des bonus. Il y a l'argent, bien sûr, mais vous pouvez aussi négocier des bonus. Alors, ça dépend de, de, de l'opération que vous faites, mais euh, je prends souvent un exemple en résidence principale parce qu'il se comprend euh, plus facilement. Euh, vous visitez un appartement, il est top, vous voulez acheter, bah, vous dites parfait. Par contre, voilà, par exemple, euh, euh, la cuisine équipée, etc., euh, euh, je voudrais être sûr qu'elle reste ou que tel élément. Euh, euh, pas de décoration, mais peut-être des, des texte sur mesure, des choses, Bah, ça reste parce qu'il y a du cachet euh, dans l'appartement grâce à ça. Et donc, vous allez chercher des bonus qui ne sont pas euh, sur le prix, mais qui sont sur ce que vous allez avoir en plus dedans. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que vous pouvez aller encore grappiller et prendre des choses véritablement en plus autre que de l'argent. Enfin, la dernière phrase, le point numéro 3 que j'aimerais vous donner, c'est répondre… Par une question et bien sûr elle prend le contre-pied parce que c'est faut-il toujours négocier Et celle-là je la trouve intéressante à traiter parce que dans la négociation c'est prendre le contre-pied si on dit on, on négocie donc on dit bah comment faut négocier mais le bon négociateur il sait aussi quand il faut ou pas négocier et c'est ça qui est important et je prends toujours cet exemple c'est le aujourd'hui l'heure où on tourne cette vidéo sa valeur on va le mettre là sa valeur marché je crois que c'est 1000 1003 ou 1350 euh, euros si demain je prends cet exemple on le met sur le bon coin et que je le mets sur le bon coin à 900 euros. En l'occurrence, ça fait une semaine. C'est pour ça que j'ai mis une décote que de ça, parce que ça fait une semaine que je l'ai. Et que je mets une décote à 900 euros. Bah, je vais avoir des tas d'appels. Est-ce que dans ce cas de figure-là, il faut toujours négocier bah, La personne qui est consciente et aussi qui se donne de la crédibilité, ce n'est pas celle qui va appeler en proposant je vous le prends, mais à 850 euros. Il va partir à 900, tout le monde le sait. Ça va directement. Donc là, pour 50 euros, vous allez perdre une affaire. J'ai fait une vidéo sur cette chaîne où j'explique aussi lors euh, de mes opérations précédentes au début comment j'ai perdu des affaires en voulant faire ça. Et c'est quand vous aussi vous allez perdre des affaires que vous allez apprendre que être un bon négociateur, c'est aussi connaître son marché et savoir qu'il faut... Bah, pas toujours essayer de négocier parce que sinon vous allez quelquefois rater des très bonnes affaires. Je suis persuadé que tous ces conseils vont vous aider demain à réussir vous aussi vos négociations. J'essaierai de vous faire plus de vidéos sur la négociation parce que vous avez été nombreux à me demander. N'hésitez pas à mettre un commentaire vous aussi pour rajouter des choses et aider la communauté à réussir demain des belles négociations ou à aussi avoir vraiment la crédibilité la connaissance de son marché pour acheter au prix quand c'est nécessaire pour faire une excellente opération à bientôt ciao